Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, monsieur le préfet, mesdames, messieurs. En tout premier lieu, je tiens à vous remercier pour avoir répondu aussi nombreux à l'invitation conjointe du préfet de région et du président Rodolphe Alexandre, qui, au moment même où je vous parle, est en route pour Brasilia, où il doit rejoindre la délégation conduite par le Premier ministre, monsieur François Fillon, en visite officielle au Brésil, pour défendre ensemble auprès de la présidente de la République fédérale du Brésil les intérêts de la Guyane, notamment par rapport aux effets néfastes de l'empaillage clandestin. Le président de région, ne pouvant déroger à la sollicitation du Premier ministre, a été obligé de changer tout son programme de la semaine et de reporter la signature des conventions à laquelle il doit procéder avec le ministre de la Culture, M. Frédéric Mitterrand. En ma qualité de premier vice-président du Conseil régional, je suis donc appelé à le remplacer et c'est avec grand plaisir que je vous accueille en son nom et au nom de la région à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des États généraux du multilinguisme dans les Outre-mer. Nous nous réjouissons que la Guyane soit aujourd'hui la terre d'accueil des réflexions transverses de tous les Outre-mer en ce domaine. Il s'agit en effet ici d'aborder un thème qui concerne tout particulièrement la Guyane car il est constitutif de son identité. Notre région est un territoire singulier au sein duquel plusieurs entités culturelles et donc linguistiques sont présentes. Langue, identité, ethnicité sont des notions indissociables et elles ne peuvent être évoquées séparément. Peut-on traiter de l'une sans évoquer l'autre? La question est posée. La réponse sera sans doute apportée au cours de vos débats. N'allez surtout pas croire que j'ai pour ambition de paraphraser des notions que les recherches philosophiques et sociologiques ont largement explicité. Je ne peux que vous livrer mes réflexions personnelles et partager avec vous une des préoccupations majeures de l'exécutif régional, celle de l'unité de notre société dans le respect des différences des communautés qui la composent. Ces états généraux du multilinguisme offrent l'opportunité d'en débattre sans préalable théorique ou idéologique, dans une approche sociolinguistique mettant l'accent sur la problématique du multilinguisme. Nous savons les risques de fractures sociétales, la nécessité d'éviter les pièges du communautarisme. Les exemples ne manquent pas dans un contexte de mondialisation des échanges, de survenue de tensions entre communautés. Il est donc légitime de poser le débat du multilinguisme et plus particulièrement des rapports entre langue régionale et langue nationale dont notre territoire est une illustration. L'originalité de la société guyanaise est qu'elle peut être définie comme un groupe social hétérogène dont les membres, indépendamment de leur appartenance ethnique et de leur langue maternelle, partagent le sentiment d'avoir des origines communes, construites autour d'un socle où se sont entremêlées les cultures amérindiennes, bushinengues et créoles, renforcées par des vagues d'immigration successives qui revendiquent une histoire et un destin commun et singulier, possèdent un ou plusieurs caractères spécifiques et ont le sentiment de leur unité et de leur solidarité. Sans prétendre à l'exhaustivité, il convient de rappeler que la Guyane comporte, hormis le français qui est notre langue officielle et véhiculaire, celle de l'État-nation, je disais que la Guyane comporte donc plusieurs langues régionales dont je me contenterai d'en énumérer ici quelques-unes, et cela sans ordre hiérarchique. Les langues amérindiennes, les langues créoles, les langues bushinengues, ainsi que des langues d'immigration, le portugais brésilien, le créole haïtien, les créoles martiniquais, guadeloupéens et saint-luciens, le mandarin et le raka, l'anglais du Guyana, le sranantango du Suriname, le mong, l'espagnol caribéen et sud-américain. À partir de cette simple énumération, on serait tenté de dire qu'il y a autant de langues usitées en Guyane que de communautés culturelles et linguistiques. On voit bien qu'il n'y a pas en réalité de classement qui aille de soi. Et l'un des premiers résultats que nous sommes en droit d'attendre des états généraux du multilinguisme en Guyane est qu'il contribue à un véritable travail de clarification sur le statut des différentes langues usitées dans notre région. Sont-elles toutes des langues régionales? Devons-nous en distinguer celles qui ne seraient que de simples dialectes? À défaut de pouvoir répondre à ces questions, je me réjouis que la Guyane puisse, sous cette forme, constituer un véritable laboratoire pour le multilinguisme. Et en dehors de ce travail de classification que je laisse volontiers aux spécialistes présents dans la salle, permettez-moi de dire que le multilinguisme est sans doute une chance pour notre société, notamment en ce qu'il constitue un vecteur multiple de communication, mais tout autant un enjeu de développement dont nous devons veiller qu'il ne serve de support au communautarisme.
Sous ce rapport, il me faut vous dire que si la région Guyane est favorable à un travail de clarification des langues régionales, elle est somme toute aussi pour une véritable politique du multilinguisme, c'est-à-dire une politique basée sur la promotion des langues régionales au-delà des limites strictes des groupes de référence auxquels elles s'attachent. C'est de cette façon que nous pourrons passer d'une situation de multilinguisme comme emblème du communautarisme à une situation de multilinguisme comme ferment de la société globale. C'est notamment ce qui nous a conduit à organiser pour la première fois en avril 2011 une grande réunion de tous les chefs coutumiers amérindiens et bushinengués à Cayenne, à la cité administrative régionale, afin de leur permettre à tous de se rencontrer, de se parler, de partager. C'est également ce qui nous a convaincus d'organiser, il y a cela quelques jours à peine, les premières journées des peuples autochtones qui se sont tenues sur la place des Palmistes les 9 et 10 décembre et qui ont permis aux Amérindiens, aux peuples amérindiens de Guyane, je le crois, du moins j'en suis convaincu, de se réapproprier leur juste place au sein de la société guyanaise, à savoir au centre et non à la marge. Et c'est ce qui nous incitera demain à poursuivre nos efforts afin de contribuer au décloisonnement et au rassemblement de l'ensemble des communautés qui composent la Guyane. Au fond, je ne pense pas que le multilinguisme soit en lui-même une contrainte. Je crois au contraire qu'il doit se nourrir du principe républicain de l'égalité entre tous les hommes et plutôt que d'être une source d'exclusion, constituer sur ce fondement un vrai progrès tourné vers l'expression de la diversité. Plutôt que de risquer d'opposer les communautés culturelles qui composent notre société, il vaut mieux organiser leur interaction par le truchement des idiomes et allonger ainsi les chaînes de solidarité à la base de notre société. Il y a ici un enjeu de développement majeur qui porte plus largement sur la capacité de notre société à intégrer ou sa propension à exclure. Dans la configuration particulière de la Guyane, la meilleure illustration de ce phénomène est donnée par l'école, pour laquelle les plus grands spécialistes ont démontré depuis longtemps que l'usage d'une langue régionale ou maternelle comme langue d'appoint se révèle être un bon allié pour la compréhension de la langue officielle qui est la langue de l'école. Ce qui est valable pour le milieu restreint de l'école est a fortiori extensible à la société globale, pour laquelle il nous faut éviter aussi que certaines langues ne passent pour mortes et ne constituent pour ceux qui les utilisent une cause de repli sur soi. Ce serait pratiquement détourner la langue en tant que vecteur de communication de sa fonction première. Dès lors que des langues sont associées à des communautés culturelles, elles ont vocation en tant qu'idiome de base à soutenir une plus grande participation de ceux qui les utilisent à notre société globale. Le multilinguisme peut, de cette façon, être appréhendé comme un support de l'interculturalité et le reflet même de notre métissage. Il doit pouvoir se fonder à la fois sur la superposition, la juxtaposition et le mélange des langues. L'enjeu est en réalité de taille, puisqu'il porte sur la capacité de notre société à renforcer sa base sociale en organisant un véritable dialogue entre les différentes communautés culturelles qui la composent. Mais il porte aussi sur l'opportunité donnée à chacun de renégocier à tout moment son identité de base dans le moule de l'identité collective ou nationale à laquelle se trouve attaché l'usage de la langue officielle. Je conclue simplement mon propos en vous souhaitant le meilleur pour vos travaux. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Monsieur Denis Labbé, préfet de la Guyane. Monsieur le Président, Madame le Recteur, Mesdames, Messieurs les élus, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, et je sais que vous êtes nombreux dans cette salle, nous n'avons pas encore eu le temps de nous présenter, donc pardonnez-moi de ne pas m'adresser à vous plus précisément. Nous accueillons aujourd'hui en Guyane les États généraux du multilinguisme dans les Outre-mer. L'idée s'est imposée lors des États généraux de l'Outre-mer en Guyane, que la diversité des langues et des cultures dont elles sont le vecteur constitue une richesse irremplaçable. La richesse culturelle des Outre-mer n'est plus à démontrer. Mosaïque de populations et de traditions, creuset du métissage et du dialogue interculturel. D'ailleurs, Claude Agege ne parlait-il pas aussi du laboratoire créole ? Président Otinoé, vous évoquiez le laboratoire. Je crois que c'est vraiment un terme que les linguistes ont pu consacrer pour nos Outre-mer. Nos territoires sont également des lieux où se parlent au quotidien des cinquantaines,
une cinquantaine de langues différentes, outils d'expression et de pensée de peuples différents, évoluant en fonction de leur histoire et de leurs rencontres, les langues d'outre-mer constituent un patrimoine commun qu'il revient à chacun de nous de préserver et de faire vivre au quotidien. Mesdames, Messieurs, élus, fonctionnaires, représentants des médias et de la société civile, artistes, écrivains, étudiants et chercheurs, acteurs des services publics et de la vie associative, venus de toute la Guyane, de tous les Outre-mer et des pays voisins, ainsi que de métropole, vous partagez, je le sais, cette conviction et cette préoccupation. Cette richesse que nous évoquons doit être valorisée à partir des pratiques concrètes des populations, parallèlement, il est vrai, à la maîtrise nécessaire du français. Il s'agit de promouvoir un bilinguisme, je devrais dire un plurilinguisme équilibré, à même de contribuer au développement culturel de nos territoires. Ni héritière d'un passé révolu, ni facteur de repli, les langues des Outre-mer ont ainsi vocation à voir leurs pratiques pleinement reconnues par la communauté nationale. Pour que la richesse de ces langues soit agissante, il faut la reconnaître comme telle, en assurer la pérennité et la vitalité. La puissance publique en a la charge. L'État et les collectivités territoriales ont le plus grand intérêt à collaborer à la valorisation de la pluralité linguistique dans sa complexité. Langue régionale, reconnue par la Constitution comme patrimoine de la France, patrimoine enrichi par des langues de France non territorialisées, sans omettre l'apport des langues et cultures étrangères fortement présentes dans nos territoires, comme d'ailleurs sur le sol métropolitain. Une cohabitation harmonieuse des langues et des cultures suppose que chaque locuteur soit sécurisé dans sa ou ses langues maternelles et qu'il maîtrise au mieux l'éventail de langues qu'il a également à sa disposition. Beaucoup de langues de nos territoires se trouvent à un moment critique de leur histoire qui passe par une stabilisation de leur écriture. Des choix sont à faire, des outils sont nécessaires, dictionnaires, grammaire, recueil de textes. Moment critique aussi parce que les modes de transmission se transforment nécessairement dans un monde en mutation et qui excède le cercle familial. La Guyane me semble un territoire d'accueil tout désigné pour ces états généraux. Créole, Sranong Tongo, langues amérindiennes, langues issues de l'immigration, le département compte ainsi 19 langues couramment usitées, dont 7 étrangères, et concentre des problématiques linguistiques et culturelles fortes sur le continent sud-américain. C'est aussi une terre qui sait accueillir ses visiteurs, et ceux-ci pourront constater, au-delà des échanges de haut niveau, j'en suis certain, le sens de l'hospitalité des habitants de la Guyane. La manifestation que nous ouvrons aujourd'hui se trouve placée, il faut le souligner, dans les derniers jours de l'année, cette année qui est l'année des Outre-mer français. Elle représente ainsi une occasion, me semble-t-il, de dialogue particulier entre ces territoires différents. Et je suis heureux de constater que les kilomètres n'ont pas fait peur, puisque vous êtes nombreux à être venus de l'ensemble des Outre-mer. Ces territoires différents, unis par leurs liens avec la France et forts des richesses qu'elle lui apporte au quotidien. Les débats de ces journées seront l'occasion d'échanges de haut niveau, disais-je, sur la place de ces langues dans nos sociétés, sur leur structure et sur leurs interactions. Mais elles permettront également à tous de venir découvrir et apprendre auprès de l'autre. Ces états généraux seront également l'occasion, j'en suis convaincu, de se rencontrer dans une logique de dialogue, dans la curiosité et la volonté d'être étonné par cette belle diversité des langues de France dont nous n'avons peut-être pas tous totalement encore conscience. C'est dire toute l'importance
qui s'attachent aux travaux qui vont suivre au cours de ces journées. Vous me permettrez de faire une petite mention particulière des remerciements que je souhaite adresser au service de la région et au service de la DAC de la Guyane pour l'organisation de ces journées qui sont importantes pour tout l'outre-mer. Et je tiens à vous remercier toutes et tous, tout l'ensemble des participants, de nous avoir rejoints pour ces journées des États généraux. Je vous remercie. Dans la mesure où ça a un sens, parce que même avant les contacts, elles n'étaient pas à l'état pur, puisqu'ils avaient été en contact avec d'autres populations. Il y a des brassages populaires. Oui, les brassages n'ont pas de sens, en fait. Je simplifie énormément. Et donc, nous pouvons prévoir que dans très peu d'années, tout ce que nous avons aimé, étudié, aura disparu. Non pas les peuples eux-mêmes, d'ailleurs, mais ceux qui faisaient l'essentiel de leur vie traditionnelle. Seulement, il existe encore des quantités de choses à recueillir, quand ce ne serait que les langues, et chaque langue, c'est un objet, nous parlions des objets, de la beauté des objets, mais une langue, c'est un objet aussi rare, aussi précieux, aussi riche que la plus belle sculpture ou le plus beau tableau. Il y a une quantité de langues qui sont encore parlées, qui ne sont pas étudiés, dont on n'a pas complètement recueilli les traditions. Il existe dans la mémoire des gens une quantité de savoir, nous parlions de celui des plantes médicinales et autres, où nous aurions des données infiniment précieuses à recueillir, mais enfin, mettons les choses au pire. La Grèce et Rome ont disparu depuis 2000 ans, il y a toujours des hellénistes, il y a toujours des romanistes qui travaillent sur des textes sur lesquels on a travaillé depuis la Renaissance et qui arrivent à en tirer encore des connaissances. Dans un de vos romans, Édouard Glissant, Malemort, il y a un personnage qui s'appelle Diou, qui est maître du rêve et qui conseille aux enfants de monter vers les étoiles pour aller vivre bien ou d'aller sous la terre pour planter. Est-ce que vous conseilleriez ça à vos lecteurs ? Je conseillerais plutôt de s'étendre dans l'étendue, dans la vastitude du monde. Je conseillerais plutôt de se concevoir dans son lieu, dans sa terre, parce qu'on ne peut pas se concevoir en suspension dans l'air, n'est-ce pas ? Il y a toujours un lieu, je dis qu'il est incontournable, mais que de concevoir en même temps tous les lieux possibles du monde et que d'établir le rapport entre son lieu et tous les lieux possibles du monde. Et c'est ce que j'appelle aussi la pensée archipélique. C'est la pensée qui va en étendue, en éventail, qui comprend les réalités du monde et qui revient à son propre lieu pour mieux le saisir. Et je pense que c'est une démarche qui est très difficile parce que c'est une démarche nouvelle. La pensée du détour. Oui, mais avant, on pensait au reste du monde, mais pour le conquérir, pour le découvrir scientifiquement, les espèces, ou le conquérir politiquement, effacer les taches vierges sur les cartes du monde, etc. Mais aujourd'hui, il me semble que nous ne pouvons plus réfléchir et nous ne pouvons plus penser, si nous voulons garder un certain équilibre et un certain sens
je dirais, du bonheur. Nous ne pouvons le faire que si nous avons présent à l'esprit et à l'imagination les rapports entre notre lieu et tous les lieux possibles du monde. Et je crois que ça, c'est un changement fantastique de perspective. Mesdames et messieurs, le délégué général à la langue française et aux langues de France, M. Xavier Norte. Monsieur le vice-président du Conseil régional, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, chers amis, à l'ouverture de ces rencontres de Cayenne, nous avons souhaité faire entendre deux grandes voix, deux paroles fortes qui nous parviennent d'outre-tombe, mais dont l'écho ne cesse, je crois, de retentir en nous. Celle d'un grand intellectuel européen, d'abord, Claude Lévi-Strauss, dont la référence s'imposait naturellement pour évoquer la curiosité des hommes pour les autres peuples, pour l'autre, pour le différent. L'ethnologue héritier des Lumières, qui, à partir d'une réflexion sur les écarts différentiels, s'est efforcé de mettre en évidence l'irréductible singularité des langues, des cultures, sans cesser un instant de plaider pour leur égale dignité. Le défenseur des sociétés dites primitives et des cultures amérindiennes, qui en a fait apparaître la profonde noblesse, en montrant qu'elles étaient porteuses de valeurs et de savoirs. Une voix mélancolique peut-être, celle de Triste Tropique, parce que c'est celle des identités menacées. La voix d'Édouard Glissant, ensuite, la voix d'une grande figure de l'outre-mer français, est celle d'un monde qui naît, d'un monde naissant. Ce monde n'est plus, ou pas seulement, celui des identités menacées, mais celui des langues et des cultures en devenir, qui se métamorphosent les unes par les autres. La voix de l'écrivain martiniquais nous rappelle, dans un temps où s'accélère la mondialisation, que si des langues et des cultures ont pu, pendant des siècles ou des millénaires, vivre à l'abri d'influences extérieures, la réalité profonde du monde dans lequel nous vivons est celle de la créolisation et celle du tout-monde, des langues qui sont en rapport avec toutes les langues du monde. Ce militant qui s'est battu toute sa vie pour le respect de la diversité des cultures est d'abord celle née de l'esclavage, nous montre que l'identité n'est pas un acquis, n'est pas derrière nous, mais toujours devant nous, à construire dans et par la rencontre de l'autre. Un monde dans lequel ne serait plus parlé qu'une seule langue serait un monde d'une effroyable solitude, a dit une fois Lévi-Strauss. Et l'on comprend pourquoi, parce que dans un monde monolingue, on ne rencontrerait jamais l'autre, puisque l'autre parlant la même langue nous renverrait toujours la figure du même. À quoi fait écho Édouard Glissant dans une formule qui a peut-être vocation à devenir la devise ou le slogan de nos états généraux ? Aucune langue naît sans le concert des autres. Et c'est sans doute dans une tension entre ces deux pôles symboliques, à la fois antithétiques et complémentaires, que nous allons tenter pendant 3 jours de construire une politique des langues pour l'outre-mer. Et même si chacun d'entre nous, à compter de demain matin, ne représentera que lui-même, je voudrais ce soir, au nom du ministre de la Culture et de la Communication, souhaiter aux représentants de Polynésie française, de Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, de Mayotte, de Martinique et de la Guadeloupe, la plus chaleureuse des bienvenues à nos états généraux, en remerciant la région du concours qu'elle nous a apporté pour son organisation et en remerciant tout particulièrement la direction des affaires culturelles de Guyane et notre ami Michel Collardel d'avoir associé ses efforts aux nôtres pour en permettre la tenue. Je vous remercie. Merci d'accueillir maintenant Michel Collardel.
Cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous. Vous ajoutons, dit qu'il fallait parler français. Le français de France. Le français du français. Le français français. Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. C'est ainsi que Léon Gontran Damas, Guyanais, ami de Césaire et de Senghor et qui a été avec eux à l'origine de la pensée révolutionnaire de la négritude, dont le centenaire de la naissance est inscrit pour l'année qui vient dans le programme des célébrations nationales, fait parler une mère imaginaire d'un imaginaire enfant, d'outre-mer. Dans le poème du recueil Pigments, intitulé « Hoquet » en 1937. Une mère convaincue de la nécessité de faire disparaître les traces de sa propre culture pour adhérer mieux au monde global, comme on ne disait pas encore. Une mère métaphorique imprégnée d'auto-intimidation. Quelle phrase, mieux que ces vers, douloureux, aurait pu exprimer le désarroi de celui qui se sent nié dans sa culture, repoussé dans l'ornière s'il ne consent à se travestir ? C'est que l'histoire pèse. On sait bien que le français a été imposé au détriment des autres langues régionales comme langue officielle de la monarchie, dans un processus d'unification de l'État et en quelque sorte, bien avant la lettre de création de la nation. Plus tard, l'abbé Grégoire, en 1794, intitule son célèbre texte à la Convention « Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et la nécessité d'universaliser l'usage de la langue française ». Par étapes, le projet politique et idéologique a été de manière constante d'éradiquer les autres langues. Pourtant, Ernest Renan n'affirme-t-il pas, dans le non moins célèbre texte de sa conférence à la Sorbonne en 1882, « Qu'est-ce que la nation ?»« Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun. C'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir, la trace. » Voici qui nous rapproche d'Édouard Glissant, qui évoque la mémoire de la trace comme fondement d'une créolisation du monde qui est pour lui une philosophie, un processus culturel, une dynamique sociale, une poétique. Mais revenons à la Guyane. Le multilinguisme, gentiment et de manière condescendante, paré de toutes les vertus de la diversité culturelle, le politiquement correct, est ici en Guyane une véritable cause de souffrance, alors que la diversité linguistique et culturelle représente une richesse potentielle importante du point de vue du développement social, éducatif, économique aussi bien que culturel. Souffrance de l'enfant confronté au maître dont il ne connaît pas la langue et qui ne parle pas la sienne. Souffrance du maître aussi. Souffrance du parent incapable de décrire les symptômes de son enfant malade au médecin qui vient le soigner. Mal prise en compte dans les différents domaines de la vie publique, cette richesse est méconnue et paradoxalement fonctionne encore aujourd'hui comme un handicap. Au-delà du domaine éducatif et de l'échec scolaire, dû alors même que le monde enseignant fait le maximum d'efforts pour y remédier, à la difficulté d'adapter l'école de la République aux réalités des peuples de Guyane, autochtones ou immigrés, ce sont en effet l'ensemble des services publics, d'État ou territoriaux, qui font part de leurs difficultés en la matière, des services secours incendie à la poste en passant par les différents services sociaux. Ils font part également de leur besoin de mettre en place, pour leur personnel en contact avec les publics, des formations à la diversité culturelle et linguistique à laquelle ils sont quotidiennement confrontés. Plusieurs initiatives existent qui, bien sûr, méritaient d'être amplifiées, coordonnées pour devenir efficaces. Et on ne peut que citer la multiplicité des acteurs qui sont déjà engagés dans ce combat, le rectorat, le Centre national de la formation des personnels territoriaux, la protection judiciaire de la jeunesse, etc. C'est l'un des enjeux de ces états généraux du multilinguisme. Comment faire ? Et pour fonder de bonnes pratiques, comment s'entendre sur une stratégie commune ? Et d'abord, bien sûr, partager la même analyse fondamentale. La question linguistique en France reste conflictuelle, qu'il s'agisse d'ailleurs de la seule langue française dont le moindre projet de réforme fait menace de guerre civile ou du statut respectif et de la place à accorder aux différentes langues. Mais la raison a fait évoluer les positions très lentement et de manière aléatoire, non sans conflit, avec des étapes.
Le rapport Cerchiglini sur les langues de France, incluant outre les langues régionales, des langues minoritaires à préserver et à valoriser, ça nous intéresse évidemment beaucoup ici, comme n'étant langue nationale d'aucun territoire, l'arabe maghrébin, le berbère, l'arménien occidental, le mong. La charte européenne des langues régionales et minoritaires, adoptée par la France, mais non ratifiée, car jugée inconstitutionnelle. Le rapport coordonné par Amin Maalouf en 2008 au Conseil de l'Europe, intitulé « Un défi salutaire, comment la multiplicité des langues pourrait consolider l'Europe » et récemment les États généraux du multilinguisme en Europe qui ont été conduits par sous présidence française il y a 2 ans. Je souhaite, après ce rapide historique qui traduit la difficulté de la question, revenir plus précisément à notre sujet, le multilinguisme en Outre-mer. Est-ce spécifique ? Si cela ne l'est pas, on ne voit pas ce qui justifiait de ne pas envisager ces journées d'échange et de débat de manière plus globale, le multilinguisme en France. Si cela l'est, qu'est-ce qui justifie le regroupement de territoires aussi différents linguistiquement, donc culturellement, que ceux qui forment l'outre-mer ? Sinon, la commune position de dépendance par rapport à une langue dominante, celle du groupe dominant. Notre débat part de l'idée que puisque dans les régions, sous l'autorité de la République, donc sous sa protection, les effets de la modernité, dont l'unification linguistique est l'un des aspects, peuvent être corrigés au moins partiellement par une action publique. Celle-ci repose sur l'angélique croyance en un quelconque consensus en France sur la question de la place du français et de son rapport avec les autres langues parlées sur les territoires, mais j'ai déjà dit que c'était vraiment une vision irénique. Se pose ensuite la question, finalement, de la légitimité. Ici, en Guyane, à la suite des États généraux de l'Outre-mer, est envisagée la création d'un pôle du plurilinguisme ou du multilinguisme. Quelle est la justification de la démarche ? Pour que cela ne soit pas un sauvetage de l'extérieur, une nouvelle forme d'assistanat pouvant être assimilée à une intrusion, voire une ingérence, une position éthique claire doit être adoptée. À discuter. Celle de l'obligation de se référer aux volontés des groupes de locuteurs concernés, d'admettre comme prééminent leur projet. C'est là qu'intervient la légitimité propre de la région en ce qui concerne la question de la préservation des cultures et donc des langues locales. Et là, sur cette initiative, l'État peut et doit, à mon avis, appuyer. Ce sont ces inquiétudes fondamentales que je voulais exprimer lors de ce début de congrès, pour dire qu'ici, la question est sérieuse, qu'elle ne peut être traitée ni de manière totalement scientifique, ni de manière totalement administrative. C'est dans la subtilité d'un processus de compréhension, dans la patience d'une parole écoutée, dans l'empathie d'une conscience partagée, que peut naître une posture qui ne soit ni autoritaire, ni normative, laissant place à la vie, aux aléas, à la chaleur issue du frottement, référence encore à Lévi-Strauss. C'est à cette réflexion que nous vous invitons, heureux que le ministère de la Culture, Xavier Nort et la Délégation générale à la langue française et aux langues de France aient choisi la Guyane pour siège, pour lieu emblématique de cette réunion. Je voudrais bien sûr, en terminant, remercier la région, tellement active dans le domaine de la culture, le Centre spatial guyanais qui est de tous les bon coup aux côtés des uns et des autres pour aider le Fonds social européen et l'Europe. On dit toujours, on en parle beaucoup, toujours en mal. C'est un outil et c'est une aide considérable. Le parc amazonien de Guyane qui est là aussi toujours aux côtés des bons et des grands projets. En conclusion, je vais rappeler bien sûr que les États généraux dans l'histoire ont une connotation. Le terme n'est pas innocent. Normalement, ça se poursuit par une révolution. C'est à cette révolution que je vous invite de réfléchir. Et on m'a dit d'appeler Florence Robine, recteur de l'Académie de Guyane. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Délégué Général à la langue française et aux langues de France, Mesdames et Messieurs, il m'échoit le redoutable honneur d'intervenir au nom du ministère de l'Éducation nationale et en lieu et place de Monsieur Jean-Michel Blanquer, directeur général de l'enseignement scolaire,
que je suis chargée d'excuser parce que malgré son très très vif désir, les gens qui le connaissent sauront de quoi je parle, de se rendre en Guyane et de prendre une part active à ses états généraux, il est malheureusement retenu à Paris. Alors la Guyane, nous venons d'en parler beaucoup, permettez-moi d'en dire encore quelques mots. La Guyane, région de France, territoire d'Europe, c'est un point que nous devons souligner. Morceau d'Amazonie, parcelle d'Amérique du Sud, c'est surtout une terre, je dirais, de paradoxes, d'originalité et de richesse qui chaque jour s'expriment par ces langues. Toutes ces langues sont maternelles. Beaucoup sont régionales, l'une d'entre elles est nationale et quelques-unes sont qualifiées d'étrangères, même si elles deviennent de plus en plus locales, il faut le dire. Vous comprendrez donc aisément l'intérêt que le rectorat de la Guyane attache à ces états généraux du multilinguisme dans les Outre-mer et pour lequel nous avons, je pense, activement participé aux côtés du ministère de la Culture et dont nous partageons absolument les objectifs. Pour nous, ces états généraux sont une occasion unique de réfléchir, au-delà des particularismes régionaux et locaux, à une politique linguistique et éducative qui puisse concilier l'indispensable maîtrise de la langue française avec la valorisation d'un patrimoine linguistique et culturel riche et diversifié. Nous l'avons dit plusieurs fois, la jeunesse guyanaise, et donc principalement nos élèves, je me permets de rappeler que 25% de la population guyanaise a moins de 25 ans, 45% de moins de 20 ans, ces jeunes disposent d'un héritage linguistique pluriel, bien vivant, fruit de migrations très anciennes ou bien contemporaines, voire modernes, mais aussi produit d'un métissage fécond. Ce métissage, cet héritage permet d'entendre aujourd'hui, on l'a dit, sur le Maroni, l'Oyapock ou l'île de Cayenne, une multiplicité de langues, près d'une vingtaine, comme on nous l'a rappelé tout à l'heure. Je tiens à le dire, la valorisation de cette diversité culturelle et linguistique est prise en compte depuis près de 13 ans cette année qu'existent le rectorat et l'Académie de la Guyane, avec des dispositifs innovants dont on aura l'occasion de parler dans les ateliers, tels les intervenants en langue maternelle, et je renouvelle mon engagement tout à fait fort sur ces points de politique éducative qui nous semblent tout à fait prioritaires. Cependant, et j'en suis bien consciente, on peut légitimement questionner le rôle de l'école dans la mise en valeur et le respect de cette diversité linguistique culturelle. Et permettez-moi de le dire, on peut aussi s'interroger sur ce qui est quand même sa mission première, c'est-à-dire sur le rôle de l'école dans la transmission de la langue française au sein des autres langues. Je voudrais le redire de façon forte, la première mission de l'école de la République, celle qui nous est assignée par l'ensemble des élus au sein même de la loi d'orientation de l'école qui a été votée en 2005, c'est la maîtrise de la langue française qui constitue le premier pilier du socle commun et sur lequel se fonde une grande partie de nos politiques et des évaluations que nous conduisons au niveau national. Dès lors, comment faciliter et motiver l'apprentissage du français dans un environnement linguistique équilibré et respectueux, c'est pour moi l'objectif de nombre de nos réflexions au sein de l'éducation et que je souhaite partager avec l'ensemble des participants de ces états généraux. Comment faire en sorte que la coexistence des langues ne constitue pas un obstacle pour la maîtrise de la lecture et de l'écriture et pour l'acquisition de toutes les compétences du socle commun auxquelles ont droit tous nos élèves? Ce sont des questions extrêmement concrètes qui préoccupent les professeurs de nos écoles au quotidien, qui sont soucieux, évidemment, de préserver la richesse du patrimoine de nos élèves et de nos familles, mais aussi d'offrir au sein de leur classe les clés d'une réussite scolaire, professionnelle et sociale. Nous tous, éducateurs, nous mesurons l'importance de former chez nos jeunes élèves une relation à l'autre qui soit guidée par une curiosité respectueuse et tolérante. Dans cette société de globalisation, de mondialisation, où nos jeunes fort légitimement aspirent à trouver leur juste place, naître dans une communauté multilingue comme la Guyane, comme celle des Outre-mer, devrait être une vraie chance et peut être une vraie chance. Et il me semble, puisqu'on a prononcé le mot à plusieurs reprises de laboratoire,
que les sociétés ultramarines, qui sont le microcosme même, l'exemple même de la diversité culturelle et linguistique mondiale, sont pour nous un laboratoire éducatif absolument prodigieux, sur lequel toutes les bonnes volontés sont appelées pour réfléchir avec nous. Une des tâches de l'école, c'est de cultiver chez les élèves la capacité de se concevoir comme membre d'un groupe à la fois hétérogène et uni. Et si cette école souhaite réussir à promouvoir la compréhension et le respect de la culture de tous les groupes qui constituent la société, elle doit savoir préserver et reconnaître la diversité linguistique. Elle doit arriver à faire comprendre que toute langue traduit un découpage et une représentation unique de la réalité du monde. Savoir que toute traduction, par exemple, puisque c'est un des sujets qui sera étudié dans les ateliers et qui pour nous est tout à fait d'importance, est une interprétation imparfaite du message d'origine. C'est une leçon de tolérance culturelle que nos éducateurs ne doivent pas manquer de faire comprendre à la jeunesse, et c'est une des missions que nous assignons évidemment à l'ensemble de nos professeurs. Mais nous savons bien entendu tous ici que cette tâche serait vaine sans que ne soit aussi enseignée de la manière la plus éclairée et la plus performante possible la langue française à tous nos élèves. Et nous savons que la langue française reste pour la Guyane, comme pour les territoires de l'outre-mer républicains, un outil incontournable de la cohésion sociale, un vecteur essentiel de la littératie, de la culture, de l'émancipation, de la liberté, en bref. Et nous savons qu'elle constitue enfin le mode d'expression d'une aspiration démocratique partagée. Et dès lors, la question qui se pose à l'école tous les jours et dont nous avons besoin de l'ensemble finalement de la communauté pour nous aider à y répondre, c'est comment s'assurer de l'enseignement et de la maîtrise de la langue française dans l'optique d'un multilinguisme serein et respectueux. Et c'est donc dans cette tension qui me semble tout à fait essentielle, qui souhaite concilier à la fois instruction nécessaire, émancipation sociale et valorisation de toutes les langues et de toutes les cultures, que vont certainement, je n'en doute pas, se situer vos réflexions auxquelles nous sommes extrêmement heureux de participer. Je tiens à féliciter très chaleureusement les organisateurs de ces états généraux. Sachez que le rectorat de la Guyane et de façon plus générale le ministère de l'Éducation nationale, à travers tous ses représentants, tous ses acteurs, saura examiner avec soin et vous entendre, en particulier sur finalement les résultats de vos travaux, aussi bien les vœux que vous émettrez, les propositions que les critiques qui ne manqueront certainement pas d'apparaître à l'issue de ces états généraux. L'école souhaite dessiner, à côté de tous les partenaires et de tous les acteurs publics, le plan, l'architecture de la Guyane gagnante de demain. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la fin. En préparant ces états généraux du multilinguisme dans les Outre-mer, il nous est apparu très tôt qu'à bien des égards, leur enjeu débordait celui du développement des territoires ultramarins, parce que la situation linguistique des Outre-mer français, où la majorité de la population est appelée à construire sa vie professionnelle et à exercer des droits de citoyen dans une langue qui n'est pas nécessairement sa langue d'origine, sa langue maternelle, ce n'est pas une situation singulière. On la rencontre dans l'Hexagone lui-même, là où des langues régionales continuent à être parlées dès le plus jeune âge, mais c'est, il est vrai, une situation de plus en plus rare. On la rencontre, à vrai dire, un peu partout sur la planète, sous l'effet des flux migratoires ou du développement des échanges, de sorte qu'il n'est peut-être pas abusif de dire que le plurilinguisme, qui est une réalité historique, puisque depuis toujours on parle plusieurs langues, est aussi, et n'en déplaise aux cassandres de l'uniformisation linguistique, un avenir possible pour l'humanité.
Et c'est pourquoi il nous a paru utile, pour souligner la portée de ces états généraux, de solliciter les points de vue de trois grands témoins qui vont maintenant s'adresser à vous par vidéo interposée. Leur témoignage, bien entendu, n'engage qu'eux-mêmes, ils sont d'ailleurs faits pour être discutés, mais ils peuvent peut-être nous inspirer pour nos débats. Alors c'est le regard de trois écrivains, très parisiens, diront peut-être certains, donc très exotiques, car nous ne pouvons pas oublier, quand le regard se décentre, que l'outre-mer, pour un ultramarin, c'est la métropole. Et tel quel, il témoigne, me semble-t-il, d'une évolution, de l'évolution de la pensée française sur le multilinguisme et plus généralement de l'évolution des esprits. Et de ce point de vue, les états généraux du multilinguisme dans les Outre-mer marquent, me semble-t-il, une étape. Je crois que c'est un moment de maturité aussi. C'est l'aboutissement d'un processus. Et en contribuant à la réalisation du petit film que nous allons voir maintenant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'est aussi à l'action que vous menez sur le terrain que nous devons cette évolution. Je pense qu'une personne n'a pas plusieurs identités, mais une identité est faite de nombreux éléments. Il me semble que les langues constituent des éléments de l'identité de chacun. Les langues sont des moyens qui définissent une identité, mais c'est une identité communicante, c'est une identité qui peut transmettre mon affection vis-à-vis d'une autre affection. Le bébé est conditionné par la parole des parents et du clan dans lequel il se situe. Et sans remonter aux origines de l'humanité, on peut penser que dès le début, Homo sapiens était quelqu'un qui produit des outils, mais qui aussi communique avec les siens par du langage. La langue, c'est ce qui nomme, c'est ce qui distingue. Dans le grand flou de ce qu'on peut appeler la création, chaque fois qu'on nomme, on ouvre une fenêtre sur la réalité des choses. Dans le monde globalisé, nous sommes confrontés à une situation qui peut paraître paradoxale, mais qui peut-être aussi est une chance. D'abord parce que nous avons nos langues maternelles, et ensuite, de plus en plus, nous sommes conduits à communiquer dans d'autres langues. Bien entendu, toutes les langues n'ont pas la même place dans l'identité d'une personne, mais il est certain que la langue maternelle est un élément d'identité, qu'une langue que l'on utilise, dans laquelle on travaille, on communique, a sa place dans l'identité d'une personne. Moi, j'ai trois langues présentes dans ma vie, puisque mon père était de culture plutôt anglaise, ma mère de culture plutôt française, et que la langue commune de la maison était l'arabe. Donc ces trois langues ont une place dans ma vie. La Bible met en évidence une situation qui peut faire penser à la modernité, c'est Babel, avec la pluralité des langues. Et ici, dans la globalisation, nous sommes confrontés à un phénomène comparable. Il faut bien étudier ce texte de Babel pour comprendre que la situation est très complexe. Il peut y avoir une multiplicité des langues qui peuvent être traduites les unes dans les autres, et à ce moment-là, Babel n'est plus une catastrophe.
mais il peut y avoir une incompréhension parce que Babel peut signifier chacun est enfermé dans sa langue, il n'y a pas de communication. C'est vrai que si chacun parle sa langue, à la limite, si chacun parle une langue qui est la sienne, il n'y a pas de communication. Et d'ailleurs, les argots, par exemple, c'est fait pour ne pas communiquer. C'est fait pour communiquer uniquement par des petits groupes. Et on essaye comme ça de ne pas être communicable, de ne pas être compréhensible par les autres. Mais ce qui me frappe avec Babel, c'est que si c'est une malédiction d'avoir une diversité, c'est aussi une malédiction d'avoir qu'une seule vision. Je ne vois pas pourquoi on s'imposerait un seul regard et qu'on s'imposerait une seule langue. Je me souviens de ce que disait Milan Kundera. Et il disait au fond qu'entre l'Empire soviétique et les Balkans, il y avait une différence très intéressante, c'est que l'Empire soviétique, c'était le maximum d'étendue pour le minimum de diversité. Les Balkans, c'était l'inverse. Le minimum d'étendue pour le maximum de diversité. Et on sait bien que la diversité, d'abord, c'est le sel de la vie, mais aussi c'est le moteur de la vie. Je crois que nous avons eu, suite aux Lumières, une vision qui continue à être extrêmement porteuse, mais qui a ses limites. C'est la vision de la compréhension universelle. Nous pouvons nous comprendre à condition de parler la même philosophie et la même langue. Et le résultat de tout cela peut être, mais pas obligatoirement, en tout cas, c'est un spectre qui nous hante aujourd'hui, le résultat de tout cela peut être Babel, d'accord, mais vous communiquerez en globish. Je ne considère pas que l'anglais maintenant soit une langue étrangère. Cet anglais d'aéroport, ce qu'on appelait le globish, il faut parler anglais comme il faut savoir se servir d'un ordinateur, comme il faut savoir conduire. Mais ce n'est pas cet anglais-là, une vraie langue, c'est-à-dire de vraie ouverture au monde, de vrai accueil des subtilités de l'amour. On ne déclare pas son amour en 400 mots, sauf si on est Racine et il faut quand même 800 mots. Souvent, on oppose des langues comme le français qui se perçoivent toujours comme une langue de culture à l'anglais qui apparaît à certains comme étant une langue usuelle. Et pour ma part, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que l'anglais réduit n'est pas une langue de culture, mais il me semble que l'anglais est une langue merveilleuse pour la poésie. Quel est le remède par rapport à cela? Il y en a plusieurs. L'un consisterait à dire que le globish, on va l'utiliser dans le commerce, la banque, etc. Mais que pour exprimer nos passions, pour exprimer notre intimité profonde, pour exprimer nos créativités, la langue maternelle et la seconde langue, ou la troisième, mais qu'on a apprise avec beaucoup de patience et qu'on a incorporée, ces langues-là vont être des langues de vie, des langues de désir, des langues de créativité. Deuxièmement, pour saisir la réalité des choses, on a besoin de langues qui sont plus liées à des réalités. J'ai été naviguer très au sud ou très au nord. Certaines langues avaient 30 mots pour dire la glace. Nous n'en avons qu'un, parce que la glace ne fait pas partie de notre univers. Et je me souviens d'avoir été chroniqueur dans le journal qui est principalement lu en Bretagne, qui s'appelle Le Télégramme. Et j'ai fait des championnats pour savoir qui décrivait le mieux la montée d'une marée, la langue bretonne, que je ne parle pas, mais que je me faisais traduire, ou la langue française. Eh bien, c'était la langue bretonne qui gagnait. C'est normal. S'il y a 2, 3 000, 4 000 langues qui meurent régulièrement, c'est des savoirs qui sont perdus. Et je relis souvent les textes de George Steiner sur ce que c'est que Babel. Aucune langue ne raconte le monde. Il faut toutes les langues pour s'approcher du grand récit du monde. Les langues ne sont pas entièrement traductibles les unes aux autres. Chaque culture porte une idéologie, une religion en même temps qu'une langue. Donc les valeurs des langues sont souvent les valeurs des cultures et des religions. Par exemple, en chinois, où il y a des idéogrammes, les idéogrammes sont concrets. Nous, un chat, c'est abstrait, alors qu'en chinois, c'est au fond une stylisation du mot chat. Donc on a une relation au monde beaucoup plus abstraite chez nous et beaucoup plus concrète chez les Chinois. C'est un exemple parmi 100 000.
Mais être étranger est un plus. Parce que par rapport à un dogme, par rapport à une norme, on apporte un élément nouveau. Et cette étrangeté, on peut la vivre aussi comme un défi qui conduit l'autre langue à chercher d'autres moyens pour essayer de saisir ce que celui qui vient d'une autre langue, par son expérience, a touché ou vécu. À ce moment-là, l'universalisme uniformisant n'est plus de mise. Il nous faut pouvoir traduire ces différents îlots qui sont faits de langues, de cultures et de religions. C'est une incitation à la poésie et au néologisme, à l'inventivité dans la langue d'accueil. Pour beaucoup de gens, la langue identitaire est une langue locale. Appelons la première langue étrangère la langue personnelle adoptive. Et appelons la deuxième la langue de communication internationale. Le français est naturellement la langue personnelle adoptive pour toute personne dont la langue maternelle n'est pas le français et qui vit sur un territoire français. La deuxième langue étrangère, pour moi, ça peut être l'anglais, ça peut être l'espagnol, ça peut être le portugais. Et je pense qu'avec ces différentes langues, on peut être à la fois à l'aise avec soi-même, à l'aise avec la société où l'on vit et à l'aise avec l'environnement régional où on se trouve. On arrive à avoir un fonctionnement mental qui ressemble à un tableau de Picasso avec plusieurs profils et plusieurs facettes qui se conjuguent et essayent de s'harmoniser. Alors, ce qui est très important dans ce multilinguisme qui commence, me semble-t-il, à être un peu ce qu'on souhaite dans la globalisation, ce qui est très important, c'est de pouvoir bien situer ces différentes strates, parce qu'il est évident qu'on n'utilise pas toutes ces langues de la même façon. Par exemple, le maternel a pu être pendant quelque temps assez refoulé chez moi par la construction intellectuelle qui m'a été donnée par l'université. Et quand je suis arrivée en France, j'aurais pu avoir tendance à oublier le bulgare par rapport à ce que j'exprime avec un langage conceptuel en français. Donc, essayons de penser l'individu contemporain comme une stratification dans laquelle il y aura la langue régionale avec toute sa dignité, la langue nationale avec ses acquis et d'autres capacités, puis les langues des autres cultures qui nous environnent. Essayons d'imaginer l'être humain de cette, non pas globalisation qui banalise, mais de ce multivers comme un être en effet multiface et qui est d'une richesse incroyable s'il parvient à travailler avec ses différents lobes du cerveau et du corps. Je pense qu'il est important pour un pays, et certainement pour la France, étant donné son histoire, qu'il y ait une langue nationale. Centraliser le pays à travers la langue est une idée forte, et à mon avis, pendant une bonne partie de l'histoire, c'était une idée juste. Là où je m'écarte de cette attitude, c'est qu'il me semble qu'on est encore sur la lancée de la politique ancienne où l'on considérait que toute autre présence linguistique était une menace pour cette primauté de la langue française. Et c'est là qu'il faut avoir une attitude différente. Je ne peux pas concevoir que l'on puisse vivre sur le territoire de la France, sans le faire en français.
mais on ne peut, on n'est plus obligé, comme c'était le cas il y a 100 ans ou 200 ans, de le faire uniquement en langue française. Prenons un exemple. Le breton est probablement le dernier vestige de ce qu'a pu être l'univers linguistique de la Gaule. Il est impensable pour moi, dans une perspective historique, qu'on ne considère pas une telle langue, même si les locuteurs ne sont pas très nombreux, comme étant un trésor national à préserver. Simplement, c'est vrai que si on parle que breton, on parlera à 4 millions de personnes maximum. Si on parle le français, on parle à plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc il faut les deux registres. Il y a une phrase africaine que j'aime beaucoup. Ce que nous allons apprendre, vaudra-t-il ce que nous allons oublier ? Pourquoi oublier quand on apprend ? Et l'expérience montre que ceux qui apprennent une langue en plus, ils en savent plus sur la langue antérieure que ceux qui n'ont qu'une seule langue. Les meilleurs résultats au bac et la plus grande ouverture, notamment sur l'Europe, c'est en Bretagne. Et j'ai le regret de dire que ceux qui apprennent beaucoup le breton, ils sont parmi les meilleurs élèves aussi en français. Ça gêne quelques-uns de mes confrères, mais c'est comme ça, ce sont des faits. Puisque le statut de la langue française en tant que langue nationale ne peut plus être remis en cause, il me semble qu'aujourd'hui, le plus important est que la relation des personnes qui vivent en France à la langue française soit une relation détendue, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas obligés d'aller vers la langue française au prix d'un abandon. On n'a pas besoin d'abandonner. On n'a pas besoin d'abandonner sa langue identitaire, que ce soit une langue régionale ou une langue venue d'un pays d'émigration, pour aller vers la langue française. Au contraire, je dirais, si on sent que l'on va vers la langue française au prix d'un abandon, il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe et qui rend plus difficile l'intégration. Apprendre une seconde langue peut impliquer, dans certaines conditions, une sorte de mise à mort, une matricide de la langue maternelle. On l'oublie, ça ne sert à rien, et j'en souffre. Et cela a donné, chez certaines personnes, je fais allusion par exemple à des étudiants étrangers que je vois à Paris et qui ne se servent plus de la langue maternelle, ça donne des maladies psychosomatiques, ça donne des dépressions, parce qu'un grand continent de la vie psychique reste en souffrance. D'où l'importance de marcher sur les deux pieds. C'est-à-dire de réhabiliter en permanence cette langue maternelle qui donne la touche, l'empreinte, le cachet spécifique de chaque individualité. Reste à l'articuler à la langue qui est celle de la nation et qui a développé des choses inouïes dans d'autres cultures. Moi, je suis vraiment intimement républicain. Républicain, ça veut dire qu'on partage une chose commune. Donc, la langue de la communauté, la langue de la tribu commune, il faut l'apprendre. Ça n'empêche pas qu'on garde aussi sa langue. Je pense qu'il est important, il est libérateur de parler pleinement la langue du pays où l'on vit. Et en même temps, je pense qu'une personne a besoin, pour que son identité s'épanouisse, de sentir que sa langue identitaire, aussi minoritaire soit-elle, est respectée et que la dignité de sa langue identitaire est respectée. Je pense que toutes les langues ne sont pas égales, mais elles ont une dignité égale. Et bien entendu, numériquement, il y aura toujours beaucoup plus de personnes qui parleront l'anglais ou l'espagnol ou le français que l'islandais ou le breton. Je pense qu'on a besoin de,
d'introduire dans notre connaissance de la langue non seulement un aspect pratique pour l'usage quotidien de la langue, mais également une connaissance de la culture qui est liée à cette langue, des pays, des peuples qui parlent cette langue, pour qui cette langue est importante. Et je pense qu'il est extrêmement sain que des gens aillent vers des langues minoritaires. Je pense que c'est un réconfort pour quelqu'un qui parle une langue minoritaire, qu'il sente que l'on va aussi vers lui. Et le seul fait de faire l'effort de parler une langue crée un autre rapport aux gens. Quand on va dans un pays et que les gens de ce pays sentent que l'on ne parle pas d'autorité sa propre langue, mais que l'on essaie de parler la langue du pays, on va se rendre compte que les gens du pays vont eux-mêmes faire le geste réciproque, c'est-à-dire lui parler dans la langue dans laquelle il est le plus à l'aise. Et je pense que c'est cela, l'élégance morale dans le rapport entre les langues. C'est un échange, fût-il inégal, tant qu'il y a le respect de la dignité de l'autre. Cela suppose quoi ? Cela suppose que l'enseignant de français langue étrangère doit obtenir une formation de la langue de ceux auxquels il va apprendre le français. Mettons qu'il va aller dans un territoire où on parle créole, il faudrait que cette personne connaisse le créole et quand il arrive sur place, il se mette en contact avec les jeunes ou autres auxquels il va apprendre la langue et qu'il essaye de faire une sorte d'apprentissage mutuel du créole et du français entre lui-même et les personnes du pays, de manière à ce qu'il y ait une communication déjà orale et une traductibilité orale entre le créole et le français, puisque j'ai pris cet exemple, pour l'enseignant et pour l'enseigné. Donc c'est tout un travail d'éducation et une nouvelle philosophie du multiple qui devrait se mettre en place. Et je pense que cette conception des choses est en train de faire son chemin parmi les philosophes, parmi les intellectuels, parmi les politiques, mais lentement, et peut-être de la manière la plus nette, quoi qu'on dise, en France. Parce que la République française est non seulement porteuse d'un universalisme et d'une demande de multilinguisme, mais elle est sensible aussi à la relativité des identités, au fait que pour développer l'identité de chacun, il faudrait avoir de l'affinité, de la tolérance et du respect vis-à-vis de la culture de l'autre. En tant que projet, je pense qu'on n'a pas fait mieux. En tant que réalité, on est loin du compte. Et pour préserver la singularité de ces personnes, et je n'oublie pas les Caraïbes, la Martinique, la Guyane, etc., pour préserver leur identité, mais en même temps les laisser s'ouvrir aux autres et vivre ce multilinguisme, il faut qu'on adopte notre idéologie universaliste à cette traductibilité entre langues, mais entre cultures et entre religions. J'aurais deux messages à vous adresser à vous tous. Trois. D'abord, respect, parce que je suis moi-même petit pédagogue. Les livres que j'ai faits sur la grammaire, c'est pour transmettre. Donc d'abord, respect. Deuxièmement, importance. C'est-à-dire que celui qui apprend une langue à quelqu'un d'autre lui ouvre des fenêtres. Il ouvre des fenêtres. Donc, quelle plus belle mission, quel plus beau rôle que celui d'ouvrir et d'apprendre la curiosité. Je rappelle que l'étymologie latine de curiosité vient donc du latin cura, qui veut dire le soin. Donc, celui qui est curieux prend soin du monde. Prends soin du monde. Donc, et troisième point, n'oublions pas que ce qui fait la force de la République, c'est d'avoir ce monde ultramarin
qui lui donne tellement de diversité, de richesse, d'ouverture. Moi, je fais mon marché linguistique de romancier aussi dans les langues de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, parce qu'ils ont une façon différente de parler et que la francophonie me réjouit, me nourrit, m'agrandit, me désarçonne. Et Dieu sait si j'aime être désarçonné. Mais en même temps, c'est le piège de n'apprendre que sa langue de la communauté, puisque même dans chacun de ces îles, on ne peut pas se comprendre d'un bout à l'autre. Donc la langue, c'est quand même pour communiquer. Et je crois que le premier des liens sociaux, c'est la langue. Donc il y a une langue pour les proches, mais il y a une langue pour l'ensemble de la communauté. Et cette langue-là, il faut lui donner aussi son rôle. On n'a pas un seul rôle dans la vie. On est plusieurs. Donc à chacun de ces plusieurs, il faut donner une langue. Mon message, c'est qu'il faut se sentir pleinement à l'aise en langue française, adopter pleinement la langue française, même si ce n'est pas la langue maternelle, et ne jamais abandonner sa langue maternelle, ne jamais la délaisser. Il faut encourager les personnes à être des liens, des traits d'union entre leur langue d'origine, leur culture d'origine, et la culture du pays et sa langue. Le monde a besoin d'une réflexion sur la diversité linguistique et sur la diversité tout court. Et je crois que la France a le devoir et la possibilité d'être à l'avant-garde de cette réflexion. La valeur qui résiste à toutes les globalisations et à toutes les diversités et que nous lèguent les Lumières, c'est la valeur de la fraternité, qui est en fait la capacité d'établir des liens affectifs. Et je dirais même, en pesant l'exagération, et combien elle peut choquer certains, des liens d'amour, de pouvoir aimer l'autre. On a beaucoup parlé de l'autre, il y a de l'autre, etc. Mais placer un autre à côté de l'autre et à côté de l'autre, ça fait des boîtes de conserve. Ça donne l'exhibition internationale qu'on peut voir à Shanghai sans communication. Si on n'a pas ce lien à autrui qu'on appelle amour, il n'y a pas de multiculturalisme. Il n'y a pas de compréhension de l'autre. L'universel est cette capacité de pouvoir établir un pont affectif vis-à-vis de la langue d'autrui. Et les langues ont cette capacité. C'est par les langues que passe la passion. Et il n'y a pas d'autre contrepoids à la banalisation que la passion.